Comme je me lève tôt, ce n'est pas une nécessité absolue pour les vaches, mais c'est mon plaisir. Donc moi, je me lève tôt, c'est-à-dire qu'il est 6h, 6h15. Donc en général, à cette heure-là, personne n'a commencé dans le village. Donc c'est calme, c'est silencieux. Donc c'est l'heure aussi où tout le monde se réveille, les oiseaux, les bestioles. Donc comment dire, tu passes du silence de la nuit au lever du soleil et au lever de tous les bruits de la nature, du chant des oiseaux, tout se réveille, quoi, en fait. Donc t'as le moment, tu passes du silence au réveil, et après, l'homme se réveille, donc c'est plus bruyant. Et puis donc, moi, voilà, je commence, je vais chercher les vaches au champ, donc ça, c'est silencieux. Donc c'est le moment que je préfère, c'est calme, c'est silencieux. T'es dehors, t'as juste le bruit des bêtes, justement, des respirations, la vache qui se mouche, le taureau qui brame un coup, là, ou qui gratte. T'as que ces bruits-là, des petits bruits, donc, en fait. Des petits bruits, mais c'est à la fois des petits bruits qui sont, mais comme c'est silencieux autour, tu les entends très loin aussi. Tandis que maintenant, en ville, par exemple, ou même dès que le village est réveillé, des bruits, il y en a. En fait, il y en a, même si le village est relativement calme, par rapport à une ville, il n'y a pas de mesure, mais malgré tout, à partir d'une certaine heure, quand le village est réveillé, tu entends beaucoup moins les petites choses. Allez, ma garde, Charlie, allez, allez, va, 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 va. Et je retarde le plus possible le moment où je mets en route la machine. Parce que de toute façon, elle va démarrer, c'est sûr. Donc je retarde le plus possible le moment où je vais la mettre en route. Puis après, bon, c'est parti. Après, c'est parti. Puis après, voilà, tu commences. Qu'est-ce qui se passe quand tu traites les vaches? Tu commences par t'occuper des vaches. Tu commences par mettre en. Voilà, faire les 2000 gestes, la traite, c'est à peu près. C'est qu'une infinitude de gestes automatiques que tu fais. Tu pourrais faire les yeux fermés, mais à la fois qui demande une petite vigilance toujours. Mais donc tu les fais, tu les alignes. Et puis il y a un moment, quand cet alignement est bien installé, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, hop, tu peux commencer à te laisser aller et à écouter le. À faire autre chose, entre guillemets. C'est difficile parce qu'à la fois tu es moins disponible aux vaches et voilà, c'est la délicatesse de l'affaire. Mais aussi tu as un petit peu de temps pour écouter ce qui se passe, voilà, le bruit de la machine, le rythme de la machine, le bourdon qui tourne. Et puis souvent, en général, c'est ça, c'est au bout d'un quart d'heure, 20 minutes que tu commences à chanter ou tu commences à t'occuper du rythme de la machine pour chanter sur le rythme ou pour te rappeler un rythme qui te traverse la tête ou tatati, tatata. Ta, ta, ta. Show, 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 sky.